Par contre, tu te dépêches pour raconter l'histoire. On doit vite rentrer dans l'agence là. Ne t'inquiète pas, je vais faire courte. Je vais faire l'origine de Mister Banane. Bien. Voilà, je vais raconter mon histoire. T'es prête? Je suis toujours prête. Allons les os. Avant, j'étais une banane normale qu'on mangeait. Mais les gens avaient mangé toutes les bananes. Et il restait que moi, tellement qu'ils avaient plus faim. Du coup, j'étais triste parce que je voulais être mangée. Oui, c'est bizarre. Mais du coup, je me suis enfuie. Enfin, j'avais des jambes, des bras, des yeux et une bouche. Après, je me suis enfuie. Et ils m'ont jamais retrouvée. Quand je dis jamais, c'est jamais. Mais quelqu'un m'avait découpé. On voyait mes os. Et c'était horrible. Du coup, j'ai décidé d'être la banane pelée et la banane hantée. Après, j'étais dans un gobelet. Après, dans un robot. Et après, en Mister Banane. Et j'étais avec mon équipe. Attends, je t'arrête tout de suite. Voilà, c'était fini. C'est toi qui as parlé là? Avec une voix de fille? Oui, je sais bien faire les voix de fille. Du coup, c'est moi qui ai parlé. Voilà, mon histoire est finie. Voilà, j'ai raconté un petit peu l'histoire de Maya. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, voilà, c'est ça ton histoire. Quand même, ton histoire a duré 4 minutes. Ouais. L'histoire était pas longue, hein, par contre. Moi, je voudrais au moins qu'elle dure 10 minutes. Mais j'ai plus rien à raconter. Salut, les gars. Vous regardez quoi? Oh, rien. Enfin, vous parlez de quoi, plutôt? Rien, rien du tout. Ok, on parle des origines de Mister Banane. Et attends, t'es Deadpool? Attends, t'es vraiment Deadpool?
Oui, un chéri en œuf.